À l'occasion de la sortie de son nouvel album intitulé Sentiments, Louane s'est confiée à RTL. Elle a alors pu en dire davantage sur un sujet intime, celui du rapport à son corps. Ce vendredi 9 décembre 2022, les fans de Louane ont pu découvrir Sentiments, le 4e album de la chanteuse. Cet opus se concentre, dans un premier temps, sur les propres sentiments de Louane avant de raconter les histoires de ses fans. Une société difficile pour les femmes. Dans Secret. Un titre tiré de cet album, Louane chante. Comme toutes les filles, ça ne sera pas facile. À travers cette chanson dédiée à sa fille Esmé, bientôt âgée de 3 ans, Louane semble la mettre en garde. On est dans une société où quand on est une femme, il y a des injonctions qui font que c'est compliqué. Même pour ma fille, j'espère que ce sera plus simple, mais ce sera toujours un peu compliqué. A-t-elle expliqué au micro de RTL ce dimanche 11 décembre 2022. Un regard différent sur son corps. Dans cette même chanson, Louane confie à sa fille avoir toujours eu beaucoup de mal à s'aimer. Elle l'explique alors de la manière suivante. Je pense que c'est hyper lié à la société. Il faut quand même comprendre que quand on a 12 ans, moi c'est l'âge où j'ai pris conscience de mon corps et où j'ai commencé à me sentir mal dans ma peau. À 12 ans, si ce n'est plus jeune pour les générations actuelles, on se comparait avec nos copines. Je me rappelle. Je me sentais mal parce que je n'avais pas forcément le corps de certaines, d'autres se sentaient mal parce qu'elles étaient trop minces, d'autres se sentaient mal parce qu'elles étaient trop grandes. Elle a ajouté. Je ne comprends pas comment il y a autant de pression dans la société sur le corps, sur la façon dont une femme doit agir. À mes yeux en tout cas c'est insensé. Moi, je me rappelle qu'à 12 ans, je voulais courir, faire du foot, et rentrer chez moi pleine de boue. Ça arrive à tout le monde. Parfois c'est une passade, parfois c'est plus long, mais on peut s'en sortir. Moi, il y a des jours où je m'en sors hyper bien et il y a des jours où c'est la merde. Si certaines personnes auraient pu penser que sa carrière aurait apaisé ses complexes, elle balait cette idée d'un revers de main, affirmant qu'un métier d'image ne pouvait pas aider à s'aimer. Ça a été hyper toxique pour apprendre à m'aimer correctement. En revanche, construire ma famille m'a aidé à me sentir bien. Désormais naturelle, Louane ne cherche plus à se donner une image plus polissée. Elle reste elle-même et c'est aussi cela le chemin vers l'acceptation de soi.